Yo, pisse-moi, monsieur Flomax! Et on se retrouve sur Wreckfest! Alors, aujourd'hui, on va déjà acheter un nouveau véhicule. Comme vous pouvez le voir en haut, j'ai suffisamment de gloire. J'ai 104 000 de gloire. Donc, on va acheter le nouveau véhicule qui est proposé dans le magasin, la Rocket RX. Ah là là, elle est vraiment magnifique! Donc c'est parti, voulez-vous acheter? Oui, pour 100 000 points de gloire. Oui, on achète! Attention. Et c'est dans mon garage! Let's go! Allons voir tout de suite ça dans le garage. Mes voitures. Aïe, 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 aïe. Elle est vraiment magnifique cette caisse, c'est incroyable, hein? Elle est belle, hein? Elle est belle, elle est belle. 262, donc vous pouvez voir un peu les stats. 8,4 d'accélération, 6,6 de vitesse maximale, 6,6 de virage et 4,1 de force. Donc là, j'ai pas encore modifié, hein. J'ai laissé tel quel. On va voir juste amélioration. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui, on peut l'améliorer. Donc une fois que j'aurai un peu plus de crédit, on va pouvoir l'améliorer parce que comme vous pouvez le voir tout en haut, j'ai à peine 17 000 crédits. Donc ça va être cric-crac pour faire des améliorations. Donc voilà, donc ça on va pas trop toucher pour l'instant. Ouais. Ah d'accord, il y a du blindage et tout. Si on enlève une fois, bah ça change rien. Ah si, il y a la toute petite barre là au plein milieu. D'accord. On gagne en accélération quand même, hein. Voyons voir derrière une fois. Ouais, ça fait un peu moins biais, c'est sûr que. Bon, ça à la limite, ça je peux l'enlever peut-être. Oh, quoique, ça fait quand même stylé dedans. Il n'y en a pas une qui améliore les capacités. Si, celle-là. Bon, ça perd un peu de force, mais au moins, voilà. De côté, il n'y a rien. Et niveau de ça, c'est une vitre. Donc voilà. Ok. Niveau visuel, ben les pneus ça en changera pas. La sortie de peau, pour l'instant c'est de côté. Non, ça on va pas mettre ça comme ça, hein, ça c'est sûr. Ça fait moche. Oh, ça fait moche. Hein. Alors soit ça, ou soit on laisse d'origine. Oh, on va laisser d'origine, c'est beaucoup plus joli. Là c'est celui-là de base. On peut mettre des trous dedans, mais bon, on va laisser de base. L'aileron, il y a déjà un aileron, il est très bien. Non, il est très. Ouais, il est très bien. Il est très bien comme ça. Là. Ah oui, il y a un truc. Ok. Ouais, ça fait moche, hein. Ça fait moche comme ça. On va laisser celui-là de base. En plus, il y a les autocollants et tout, ça c'est parfait. Là, ben, on va pas toucher. On va pas. Ouais, on va pas toucher. Là, il y a déjà un truc. Si on enlève une fois. Ah ouais, par contre, les roues elles sortent donc ça fait moche. On va laisser celle de base. Tac. Ah, ça fait pas mal, hein. Ah oui, mais là, il y a le petit logo dessus en fait. Alors, on va laisser comme ça en fait. Et non, pas de truc, je pense. Oh, ça va faire con. Même si je mets ceux derrière là. Enfin, les derniers. Non, surtout pas un requin. Si je mets ça. Ah non, ça fait dégueulasse. Non, ça fait dégueulasse. Ok. Donc voilà, il y aura juste à améliorer le moteur et tout ça. Et puis voilà. Donc on va faire une petite épreuve avec cette voiture-là. Du coup, on va faire celle-là qui est disponible. Elle vient d'arriver. Donc voilà, on va faire ça. Donc je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme épreuve. On va bien voir. On est sur quoi? Fire Rock Raceway. Ok. Je connais bien quand même. Tout pour le tour. Circuit principal inversé. D'accord. Record personnel introuvable. C'est bizarre ça. Pourtant, j'ai fait des tonnes et des tonnes de tours sur ce circuit-là. Que ça soit en ligne ou en solo. Ok. Alors, c'est quoi le but de l'épreuve là? Je ne sais pas du tout. Voilà un petit peu le circuit. Alors, soyez le plus rapide. D'accord, c'est du chronométré. Cible 1-2. Ok.
On va peut-être mettre. Bah, c'est déjà en rigide, parfait. Ok. Y'a rien à toucher, c'est parti! Ah, ce bruit! Oh merde, je sors un peu de la piste là. Ah, je défonce tout. Ah non. Putain, on a de la pénalité si on sort du circuit. Oh ouais. Ah ouais, c'est pas fameux là. Hein. Ok. Ah ouais, c'est. Ok, on va recommencer, on va essayer. On va réessayer. Olek. Merde, je suis sorti. Oh, je suis pas mal là, en vrai, non? Ah, ça va être tout juste. Ah, si j'ai pas. Ah, si j'étais pas sorti, je pense que je l'aurais eu là. Je l'ai eu ou pas? Une 205, je sais pas du tout. Bon, ok, cette petite épreuve. Bon. J'ai retenté hein, de mon côté, j'ai fait bronze, j'ai réussi à battre le record bronze. Donc je jamais j'améliorerai plus tard le temps de mon côté. Voilà, donc bah, sans plus tarder, on va juste faire encore une petite épreuve personnalisée. Tiens, ouais, sur ce circuit-là. Non, sur celui-là, voilà. Avec le petit véhicule là. Le petit véhicule des familles. 3 tours, ouais, ça suffit. Voilà, très bien, très bien. C'est... Oh, oh, oh. Ah, j'aurais dû mettre le truc même véhicule. Parce que là, on a des classes A, mais c'est... Ouais, quoique, ça diversifie un peu la course. Donc c'est parti, petite course. Oh le bordel. Oh, j'ai déjà perdu mon aileron. Oh, oh. Non, non, non. Ne faites pas déraper, bande de guignols. Oh. Oh purée! Oh la vache! On est déjà au dernier tour! Dégage! Allez, bougez, votre popotin! Oh, quatrième! Pouf.
Ouah, c'était un bordel. Voyons voir un peu la rediffusion. On va juste cacher ça. Suivre la voiture. Tac, tac, tac. Sphérique. C'est parti. Voyons voir un peu le carnage. Oh. Boum. Et des débris de partout là. Wouah. Oh l'autre. Oh le bordel. Waouh, elle était cool la course. Ok, voilà. Sympatoche ce véhicule, sympatoche, sympatoche. Il a vachement de puissance en plus, c'est pas mal. J'aime bien. En plus, il est plutôt beau, hein. Il est plutôt beau. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez au pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi je dis ciao et à la prochaine. Allez, tchuss!